Bonjour tout le monde, c'est NatNat, on se retrouve aujourd'hui sur Donkey Kong 64. Et on se retrouve pas du tout devant le cinquième niveau, devant Forêt Folding. Et il y a des voisins qui font les travaux, génial. Parce que en fait, je me souviens qu'on n'avait pas fait le truc ici. Parce qu'on n'avait pas la potion nécessaire pour enclencher l'interrupteur. Et je pense que si on fait tout ça là, eh bah on pourra peut-être avoir le tonneau de Didi devant Forêt Folding. Voilà, parce que ça on n'arrive pas à parler, c'est incroyable. Parce que ça on ne pouvait pas le faire avant Forêt Folding. Et on n'était pas revenu ici. Parce que je suis bête, j'imagine. Voilà, Timmy, elle est où? Elle est là. Alors. Et zut. Voilà, c'est plus simple. Bon, ça passe. On devrait avoir pas mal de coco cristaux. 8,25, ça devrait suffire. Par contre, j'espère vraiment que c'est ça, parce que sinon, je sais vraiment pas. On peut se dégrossir, oui. Ah, bah déjà, il y a une banane d'or. Et donc, c'est pas ça. Ah, bah, on dirait que non. Bah, écoutez, je ne sais absolument pas comment on va faire alors pour avoir le tonneau de Didi. Bon, enfin, c'est toujours bien, ça nous fait une banane d'or, mais. C'est un peu dérangeant, quoi. On va peut-être aller voir Sneed alors. La Sneed hors niveau. Je sais pas si on avait fait tout ce qu'il y avait à côté. Ça me. Enfin, je comprends vraiment pas parce que dans ma partie précédente là, quand j'avais. Bah oui, la seule partie après que j'ai faite avant, bah j'avais pas eu de problème en fait avec ça. Donc je comprends vraiment pas. C'est un peu long par là, en vrai. Je suis un peu bête. On va prendre un téléporteur. Ouais. C'était vraiment la première fois que je me faisais toucher par une orange ici. Ça se fait tellement pas. Bon, allez, on se dépêche. C'est le 4. Ouais, voilà. Et donc là, faut redescendre. Et juste en bas de cette petite pente, on prend trois lagnes. Trois lagnes! Ah, c'est bien! Trois lianes. Voilà. C'est juste là. Ça m'énerve. Si, on avait déjà fait ça pourtant. Ah, mais il n'y a plus de tonneau banane. Et là, il n'y a plus rien. Mais je comprends vraiment pas. Bon, on avait des plans à donner ou pas? Ah, on a celui de Didi à donner. Et c'est tout. Ah, oui, Didi, il est là. Oui, c'est bon. Enfin, si vous savez comment faire le tonneau de Didi, je vous en prie. Hein. Parce que sinon, je vais galérer pendant 4 ans. Non, c'est long. C'est fini là? Merci. Bon, ça on avance bien, hein, 139 bananes d'or.
Alors on va voir les plans. C'est pas mal, franchement. Mais on n'a pas. Non, c'est possible de faire. Mais on n'a pas encore tout. Et bah écoutez, je sais pas. Ça on l'avait fait aussi. Ah oui. Non, vraiment, je comprends pas. Parce qu'en plus, après, tout là-bas, là, sur la tour, il y a un truc avec Shanky, mais. Il me semblait que c'était bien après. Ah non, je sais pas. Je vois vraiment pas en fait ce qu'on a loupé ou. Ou mal fait. Je comprends pas. Oui, et bah on va entrer dans le sixième niveau, hein, mais. Oui, parce qu'il y a un passage si on a. Sans le jetpack de Didi. Mais c'est dommage quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas doué. Incroyable. Bon, heureusement qu'il y a des téléporteurs. Voilà. Et donc par là-bas, on peut rejoindre l'entrée du sixième niveau. Voilà. Alors, oh là là, oui, je me souviens, il y avait tellement de choses à faire. Oui, alors ça, on s'en fout. On va prendre Shanky pour péter ses murs de glace. ZB. Voilà, normalement ça marche. Alors il y en a un autre tout là-bas. Là il faudra certainement le tonneau de Donkey qui lui permet d'être invincible. Enfin j'imagine, hein. Sinon je vois pas trop comment on va marcher sur la lave. Et alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens, le mini-boss de Lanky. Alors on va juste virer la pierre. Hein. Ah, et il y a le tonneau de. Donc, okay. Je comprends vraiment. Ah, mais si, ça, ok, d'accord. Je suis bête. Bon, on va le faire hein, quand même. Mais c'est un peu inutile. Voilà, donc c'est juste pour laisser l'interrupteur appuyer. Il est où? Il est là. Voilà. On va aller prendre Lanky, on avait dit. Voilà, j'espère qu'il va respawn bientôt parce que j'en ai déjà marre. S'il te plaît. Pourquoi il veut pas respawn? Bon, on va prendre. Donc, et quand je vais revenir, il sera respawn. Évidemment. Hop. Ah non, tiens. Bon, j'espère qu'il va respawn un jour quand même. Ce serait pas mal en fait. Alors, c'est parti. Pas très compliqué hein, mais. Ouais non ça va, on a encore 26 cristaux. On devrait y arriver. 140 bananes d'or, et bah c'est plutôt très bien. Donc lui il ne lui manque que son plan il me semble. Non. Voilà. Alors le boss de Lanky il va vraiment nous faire chier là. Dépêche-toi de respawn là pour que je puisse te buter. Ouais, vous savez quoi, on reviendra plus tard. Hein. Et il y a un truc à faire avec Didi juste en dessus. Voilà.
Alors, ça on s'en fout. Non, c'est pas là. C'est juste là. On va beaucoup utiliser le jetpack hein, dans ce niveau. Alors elle est où la plateforme? Il me semble qu'il y avait un truc. Mais j'ai fumé ou... Ah mais non, c'est juste pour ça. Ah oui, ok. Mais... Ok, il y a un socle. Quoi que j'ai trouvé une banane, Didi. Ah bah c'est gentil. Pourquoi tu l'as fait tomber? T'es bête. Elle est où? Ah. J'ai peur. 141 bananes d'or. Et bon, on avance très bien. Ça fait quoi déjà? 4 bananes d'or? Et on va entrer. 65. Ah, je sais pas si on en a assez là. Allez, ciao. Et c'est parti pour la cinématique. Si je me trompe pas, hein. Ouais. C'est simple, ils ne savent pas accepter leur défaite. Mais tout va changer une fois confronté à mon joli toutou qui crache du feu. Oui, donc on est censé faire ça juste après hein, le cinquième niveau. Rien ne pourra plus les sauver, leur île va prendre cher. Donc on n'est pas censé avoir vu la cinématique suivante, vu que je suis pas doué. Ah, te voilà toi, les congrès étaient punis, non? C'était affreux, maître. C'est quand tout bizarrement j'étais des tonneaux qui ont fait boue. Ils m'ont même fait tomber dans la lave. Et puis il y en a un affreusement costaud qui m'a claqué. Regarde mon petit nez d'amour maintenant. Je vais m'allonger, j'ai des vertiges. Caverne cristal. Ce niveau, je le connais pas très très bien. Je connais même mieux Château Chocotte. Attends, y'a pas dans ton équipe par ici? Non. Il est magnifique, mais il est insupportable. Là, y'a un mur à péter avec Shunky. Oh, ça va être long. Ah oui, et puis il faut qu'on fasse un truc avec Tenny très vite, parce que sinon ça va être insupportable. Vous allez comprendre. Non, ZB. Voilà. C'est... Ah non, c'est pour... Donc... Et là, il y a des pièces jaunes aussi. Je n'ai pas encore la potion. Faut vraiment qu'on aille voir Shunky. Shunky, Cranky. Je dis n'importe quoi moi. On va prendre Lanky. Et on va pas aller plus loin dans ce niveau pour l'instant. Pour regarder le suspense. Hein. Et on va juste aller voir si son mini-boss a respawn dehors parce que ça m'énerve. Il est intéressant ce niveau. Ah oui. Alors. Voilà. Merci. Enfin. Merci. Voilà. Donc... On a quasiment tous les plans, hein, il me semble. Il ne manquera plus que celui de Donkey. Bon, et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était NatNat N sur Donkey Kong 64. Et si vous savez comment avoir le tonneau de banane, le tonneau de Didi, pardon, devant Fruffelding, bah je suis preneur en fait. Parce que je ne comprends pas. Voilà, ciao!